suivant, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tube Tycoon. Aujourd'hui c'est la quatrième vidéo sur Tube Tycoon, avec un new tag pour le tag, et voilà. Oh, j'en ai deux. What if I will be tomorrow? On va y avoir un autre tag, pour le fun. Ouais. Parce que ça me tente. Aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait Tube Tycoon. Puis j'ai plusieurs choses à vous dire. Dans le fond, c'est idéal. Oh, c'est très bien. Très populaire. 2000 orques, c'est parfait. On va que des vlogs. Ok. Des vlogs. Ok, me semble que c'est pas... comme d'habitude, me semble. Start ping to change titre. Me semble c'est pas comme d'habitude. Ou peut-être, mais. C'est vrai, ça me fait un petit peu de que j'ai plus de tout. Mon dieu. Ça fait loin un peu. Ça me fait quand même pas mal d'argent. 22$. La dette. Les dettes, c'est fini. Il finit les dettes. Pour l'instant, je suis endetté, mais... pour combien de temps? Pas pour longtemps. Ça, c'est vrai, c'est basic vlog. Change. On va aller se coucher parce que je vais être endetté encore plus. Parce que ça me dérange pas. Il n'y a pas de daily vlog. C'est pas grave. On va le faire demain. On va faire du tag, je le sais. La dernière vidéo, le fantôme de la route 14. Et parfait, ça a pris du temps avant d'avoir fait la vidéo. Vraiment, là, elle a été long quand même. C'est une reprise, c'est un tout petit peu différent aussi de quand on le fait tout au complet. Mais là, j'ai pas fait tout au complet. Parce qu'il était déjà fait, il fallait que je me base sur ce que j'avais fait. Avec Tubas et Vlog. On dans le paranormal? Pourquoi pas? On va aller dans le paranormal. Il fallait absolument que je me fie sur ce que j'avais fait avec l'autre vidéo. C'est tout simplement pour ça. Dans la vidéo, il y a un petit générique. Générique Pokémon. Ça, c'est... bon, c'est pas au complet. Je vous dis tout de suite, la musique est pas au complet. C'est environ 48 secondes, si je me trompe pas. Aujourd'hui, on fait du tag avec lui. Et voilà. Parce que ça me tente d'en faire. J'ai perdu des abonnés. Dommage. Ça se désabonne pas comme ça. J'ai une autre version de prêt. Et je suis en train de faire une autre version. En gros, le générique, qu'est-ce que ça va être là? Ça va être quand même assez évolutif. C'est-à-dire qu'il va évoluer. Mais vraiment, ça va évoluer au fil du temps. Non. On va se coucher. C'est une vidéo ou deux? Peu importe. Bon, au moins je vois que je m'endette un peu plus, c'est parfait. Moi qui veux s'endetter. Mais comme que je disais, ça va évoluer à un moment donné. Qu'est-ce que je risque de faire? Ça va être dans la musique. Ça va être dans les vidéos musique. Tout simplement, comme toute pièce que j'ai composée. Parce que oui, c'est une pièce que j'ai composée. Bon. 98. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez toujours me faire ce quelqu'un qui est bon. Moi pour l'instant, je touche pas à ça. J'ai pas trop le temps. Je sais pas trop comment non plus faire des films, des vidéos. Bon, des vidéos j'en fais, mais qu'est-ce qui est l'animation? Je sais pas trop comment faire. Bon, avec les biscuits, pourquoi pas. S'il y en a qui seraient prêts à me faire un générique pour Pokémon, je serais bien reconnaissant.
Je suis ouvert à tout. Du moins, presque. Bleh. Moi, je m'endette un peu. Au moins. Ça fait deux. On va se coucher. Ça serait facile de tourner 3-4 vidéos pour que je ne serais plus endetté. Ça serait absolument très facile. Mais le but, ça me tente d'être plus difficile. Tout simplement. Parce que ça me tente. Ils ont peur du tag. Ils veulent plus que je représente leur chaîne. Dommage. Je sais que dans la vidéo, justement, le fantôme de la route 14, tous mes sujets sont là-dessus. Tous mes sujets. Le fantôme de la route 14, je parle du fond, de, tout simplement, la vidéo en général, du générique et de la caricature. Une caricature qui est totalement à la fin de la vidéo, qui est une caricature de moi, que un abonné avait faite. Si je ne me trompe pas, c'est de Étienne Morin. Je t'en remercie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'en ai fait un. Là, il me reste un deuxième. Garantuque caméra. Garantie, c'est ça? C'est quoi carpette? Aucune idée. C'est quoi une carpette? Wow, est-ce que je vais la voir un peu? Ok, pas super. Quand même, pas super. Mais je suis en train de m'endetter plus, hein? Ouais, je suis en train de m'endetter plus, hein? J'ai réussi, j'ai réussi. On va aller se coucher. J'en ai juste un. Ce sera un, deux, trois. Oh, j'ai 3 points! Mon Dieu! Ok. On ajoute ceci. Ça fera pas beaucoup. Je ferai pas beaucoup d'argent avec ça, mais c'est pas grave. Du tag. Fait un petit bout de qu'on en avait pas fait. Quelques jours. Du moins. Toujours pas plein. Toujours. Mon Dieu. 32$. Vous voyez, ici, parce que j'ai débloqué ceci. À un moment donné, je vais tout débloquer ça, mais ça, c'est des améliorations avec ça. Pas grand-chose d'intéressant. On va avec du daily vlog, on va voir si ça change. Ça change, c'est parfait. Parfait. Ah, j'ai 2000 abonnés en plus. Je remarque que j'ai 2000 abonnés. 76$. Après, c'est du sport, un peu. Mushroom. On va aller avec ça. Avec les champignons. D'un certain sens, c'est un flop. Mais d'un autre sens, ce n'est pas vraiment. Et pourquoi? Parce que c'est une nouvelle série. Puis, tous ceux qui me regardent, ceux qui sont intéressés par du D-Vlog, du tag, puis du Basic Vlog. Mais pour qu'est-ce qui est du sport, c'est du nouveau public, tout simplement. Donc, on va aller se coucher. Je me suis à peine fait 2$. Parfait. Bien évidemment, du D-Vlog. Toujours du D-Vlog. Toujours populaire aussi. J'ai plus de vues que d'abonnés, ça c'est parfait ça. C'est parfait. C'est parfait. Plus de vues que d'abonnés, là, c'est idéal. Vraiment idéal. J'ai comme très peu de vidéos au-dessus de mes abonnés. J'en ai pas beaucoup. Justement, en parlant d'abonnés, c'est le temps d'aller dans ce sujet. Parce que oui. C'est dans un sujet que j'avais prévu. On va aller rencontrer les champignons. Pourquoi pas? Si vous avez remarqué, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi, ou tout simplement vous vous questionnez, que j'avais pas. On voyait pas mes abonnés. C'est totalement normal. J'ai fait exprès. Parce que je voulais faire un test. Si je ne me trompe pas, j'en avais parlé ou non, je m'en souviens plus. Peu importe, mais oui, j'en ai parlé,
Mais ce que je voulais faire vraiment un test pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ça a une certaine différence. Bof, certaines. Ça dépend. Vraiment, ça. Le monde, je pense que ceux qui vont s'abonner à la chaîne, c'est ceux qui vraiment qui trouvent ça bon, puis qui se fient pas aux abonnés. Ça, c'est un avantage de ce côté-là. D'un autre sens, c'est. On se demande c'est quoi, combien qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des millions? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Aucun, peu importe. Il y a aussi cet effet-là. On se questionne combien il y a d'abonnés. Quand j'en vois des fois, là, des. Il y en a très peu. Mais il y en a. Du monde que. Un des droits de tag, encore une fois. Il y en a que j'ai déjà vu. Il y a combien d'abonnés? Et tu bon, populaire, tout ça. C'est sûr que beaucoup s'abonnent parce que. Par les abonnés. Parce qu'ils en ont beaucoup, mais il y en a d'autres par leur contenu. Maintenant, ceux qui sont abonnés, c'est ceux qui vraiment qui aiment le contenu que je fais. Parfait. Je peux pas m'endetter plus que ça. Je suis en train de me pu. Je suis en train de m'enrichir, puis de m'endetter. Dommage. Moi qui ça me tentait de m'endetter. Moi qui veux absolument à tout prix m'endetter. Wow. Ça pas d'allure, mon affaire. Mais comme que je dis, c'est vraiment pour voir l'effet. Quand c'est. Là, je pousse ma réflexion assez loin, comme que vous pouvez voir, mais c'est vraiment. Différent. Quand on voit les abonnés, on sait. Ça peut avoir une influence aussi. Quand on voit pas les abonnés, ça a une autre influence. C'est deux optiques différentes. Puis ça, c'est ce que je remarque. C'est sûr qu'on se demande combien il y a d'abonnés, est-ce qu'il est bon? On peut faire. Il y en a qui peuvent refuser de s'abonner à une chaîne à cause qu'on ne voit pas ses abonnés. Ou à cause qu'il bof, il a l'air pourri parce que. Justement, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés, une personne va penser, oh, il est pourri, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Des fois, ça par rapport, le contenu peut être très bon, tout ça. Mais le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'abonnés, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas connu. Tout simplement. Donc moi, je ne suis pas connu. Puis c'est vrai. Ah, je fais des jokes de suite. Oui. Oh, du carousel. Je suis arrivé Facebook ou YouTube, je l'aurais pris. Mais là, on va aller avec du sport. On va aller chercher la communauté sportive un peu. Scalopine. Oh, le monde sont très intéressés. De la communauté, peut-être tout le monde, aucune des peu importe. Il y a certains abonnés là, qui en ont beaucoup, comme PewDiePie, qui a 50 millions d'abonnés. Je pense que le monde va pas s'abonner à lui. Comme juste en regardant une place là, combien d'abonnés qu'il se fait par jour. C'est hallucinant là. Il fait quelques milliers d'abonnés par jour. Je sais pas combien, peut-être. Il fait peut-être 100 000, 200 000 abonnés par jour, là. Sans compter qu'il en perd aussi en même temps. Quand même, je vais regarder ça. Ou qu'est-ce que c'est? C'est les abonnés en direct. Puis c'est hallucinant comment que PewDiePie monte vite. Ça n'a pas de bon sens. Les autres sont populaires, ça va attirer. Encore là, ça peut ne pas attirer non plus. Ok, là j'ai fait deux vidéos. On va me coucher. Ça peut aussi ne pas attirer, là. Je t'entends pas d'en faire. On va faire ça, est-ce que des vlogs. Non. Ah, j'ai déjà un point. Prochain, ça va être lui. Parce que ça me tente. Ça va en coûter deux. J'aurais pu prendre lui, puis. J'aurais pu, est-ce que j'aurais pu celle-là? Je sais pas. J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Il a se trompé de place. Et voilà. Tandis qu'une petite chaîne, bon, il y en a que.
Ça fait dur un peu quand la qualité est pas la meilleure, comme moi dans le temps, quand j'ai commencé, j'avoue que les abonnés pensent pas qu'ils voulaient vraiment s'il y en a qui regardaient, puis non. C'est pas une bonne qualité. Il y a aussi la qualité qui joue avec ça. 50$ d'un coup. Ça paye quasiment tout d'un coup. YouTube! Parfait! Toujours YouTube. Toujours parce qu'on est YouTuber. Tout simplement. Puis c'est le but de YouTube. Ah, écoute, c'est une simulation de YouTube. Pas comme certaines simulations YouTube qui se posaient et simulation. Et on dirait même pas prendre toute une simulation YouTube. Je dirais rien à propos de ceci. Quand je pourrais offusquer certaines personnes, mais je ne dis rien. On va faire ceci. Oh, 3 jours, on va dire, qu'on va le faire. Jusqu'à moins 50$, mais c'est pas grave, je t'avais d'aller au-dessus de 0. C'est une question de temps, tout simplement. Mais comme que je dis, ça y a aussi le nombre d'abonnés à une influence. Pas tout le temps, mais ça peut avoir une influence. En gros, c'est ce que je veux dire. Pas toujours en faire un autre, mais non. Ça me tente pas. Parce qu'on va faire du daily vlog. Toujours du daily vlog. C'est parfait du daily vlog. C'est très populaire. Vous voyez, le moins 5 va être à plus 20. Plus 16. Bof. T'aurais pas pu me mettre à 4$ de plus comme ça. Tu m'aurais pas contredit. Quand même, tag, c'est très populaire. Le matin, il y a plus de monde qui écoute, on dirait. Le matin, la première vidéo. Jusqu'à plus 16, maintenant je suis à moins 26. Et bon, je peux plus m'endetter, dommage. Vraiment dommage, je ne peux plus m'endetter. Soit pas tout de suite. Pour le fun, est-ce qu'il y a. Non. Bof, pourquoi pas du dragon? Pourquoi pas? Des beaux dragons. Phew! Ouais, le matin, c'est très populaire. Le monde écoute les premières, pas le deuxième. Peu importe ce que c'est le premier. Et ça écoute. Ok. Oh, 50$ quand même. 53. Ouais, 27$. Il m'a pas contredit, celle-là, il m'a devancé, au contraire. Au contraire, il m'a devancé. Faut mon argent, hein. Faudrait que je fasse un peu de sport. Ouais, faudrait que je fasse un peu de sport. Wesh! Wesh! Ah, oh, un peu plus de 10 000. Avec 4 000 abonnés. Pratiquement 10 000 vues. Oh mon Dieu. Bon, maintenant on va aller dans l'enrichissement. Alors, on va s'enrichir avec un peu de sport. Un clé biscuit. On va manger des bons biscuits, c'est sûr. Miam, miam. Ça me donne le goût de manger des biscuits. Ouais, ça me donne le goût de manger du biscuit. C'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, tout simplement. Sinon, j'en aurais pas fait. Mais vraiment, j'en aurais pas fait de sport. À quoi ça sert le sport? À pas grand chose. Mais non, c'est très utile le sport, c'est bon pour la santé. Car si tu es à moins 27$, plutôt t'as perdu juste 27$ et t'es à 80$. Et on va faire du tag. But just on work. Parce qu'il y est temps, on est au 3 jours. Une vidéo 3 jours de tag. Puis si je trouve avant, peut-être une journée de plus. Mais tu vois, tu t'enrichis. Pas grave. Même si je m'enrichis pas, je veux m'endetter.
N'importe quoi. Un délire. Bon, une belle petite pièce. Ah, c'est n'importe quoi. Cette vidéo devient n'importe quoi. J'en suis. C'est ce que je faisais. Mais autrement. Ça devient n'importe quoi. Cette vidéo. Ah, je pense qu'on va se laisser là, hein. Non, sinon, ça va délirer encore plus, ça continue. Ça devient. Ouais. Cette vidéo de Tube Tycoon vient du délire. Bon, on est quand même à. Ça fait 47 jours qu'on roule, déjà 4000 abonnés. Ce serait le fun d'avoir ça. Autant aussi vite que ça. 104 vidéos. Je suis au-dessus. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Vu que, justement, que vous n'avez pas vu les abonnés, laissez-moi vous dire que j'ai passé la barre de 200 abonnés. Enfin. Et ça a pris quand même 5 mois pour atteindre les 200 abonnés, pour monter 200 abonnés. Dire qu'il y a des youtubeurs. En quelques mois, ils atteignent 100 000 abonnés, ou même, en quelques mois, pour eux, c'est 1 million. Ok, 1 million de plus. Quand je dis que moi, c'est, en quelques mois, ça prend 100 abonnés. C'est-à-dire, j'augmente de 100 abonnés en quelques mois. C'est long. Le 1 000 abonnés, il est là. Une chance que je suis aux études pour avoir un emploi qui va me rapporter. C'est sûr que YouTube me rapportera pas. Mais comme je dis toujours, on ne sait jamais se qualifier une réserve. J'ai des gros projets qui, surtout un en particulier qui coûte cher à faire, que je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Mais vraiment, ça coûte extrêmement cher. Plus cher que. Je me demande qu'est-ce que vous pouvez imaginer. C'est même plus cher que ça. C'est tellement cher là que je sais pas comment qu'on va faire. Bon, j'ai des petits trucs, mais c'est très cher que ça vaut. Plusieurs millions de dollars sur le projet. C'est un très gros projet, donc je ne vous en parlerai pas. Du moins pour l'instant. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo en délire. Ouais, plutôt vers la fin, hein. Plus que ça va, plus que c'est du n'importe quoi. Ouais. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google et Twitter. Car tout le monde est bienvenu. Vous pouvez toujours parler à tout le monde de ma chaîne pour que je puisse me faire connaître. Parce que. Actuellement, c'est juste que je me suis pas assez connu. Tout simplement. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tube Tycoon. Alors, je vous dis merci à tous.